Dans l'émerveillement de la rencontre, pendant le désormais fameux été 80, il y a la voix, sa voix, la façon de dire entièrement les mots, la façon d'aller chercher le mot, de trouver le mot juste, le mot vrai, de laisser le mot arriver jusqu'à la bouche en passant par le silence de la pensée. Je l'écoute pendant des heures. J'entends quelque chose et je vois quelque chose. Et je m'aperçois très vite qu'il n'y a pas de séparation entre la voix de tous les jours, la voix de la parole courante, disons-le comme ça, et la voix qui est en train d'écrire. La voix qui essaie de voir quelque chose, de nommer quelque chose, qui tente à chaque instant d'être dans la vérité. C'est un effort. C'est une tension. C'est une souffrance. C'est une grâce de tous les instants. Vous vivez et vous dites votre propre mort, ce chemin vers la mort. Vous ne quittez pas ce lieu où vous allez. Plus rien d'autre ne compte. Comment faire avec cette chose que je ne connais pas? Comment me débrouiller avec ça? Comment faire, Yann? Dites-le-moi. Et si on se tuait ensemble, qu'est-ce que vous en pensez? Je vous donne de l'argent pour acheter un revolver et on fait ça, on se tue. Je vous regarde. Je dis, d'accord. Qui commence? Qui est le premier à tuer l'autre? Je vois ce sourire. Je vois les yeux sourire. Vous avez 10 ans. C'est moi qui commence, après je verrai. Et on rit. On est plié en quatre, on se marre. Vous dites, non, ce n'est pas une bonne idée, le revolver, on va trouver autre chose. La nuit, je me lève, je viens vous voir dans votre chambre, voir si tout va bien, si vous êtes en vie, si vous êtes toujours là. Oui, vous dormez, oui. Vous respirez, tout va bien, les lampes sont allumées, je peux dormir moi aussi. Les derniers mois, la nuit, vous vous levez, vous traversez l'appartement, vous ne vous trompez pas, vous connaissez la direction, là où je dors, épuisé, la porte ouverte. J'entends votre pas, vous prenez soin toujours de mettre des souliers. J'entends votre pas qui vient dans ma chambre, vous allumez la lumière. J'ouvre les yeux et je vous vois, je dis qui est là, c'est moi, c'est Marguerite. Venez vous asseoir près de moi, vous vous asseyez au bord du lit, vous croisez les jambes, vous n'avez pas froid comme ça, nu. De toute façon, Yann, ça ne peut pas faire de mal, un peu de converse. Et vous parlez des choses, des éléments de scénario, vous me demandez ce que j'en pense de ce projet de film. Et moi, je veux dormir, je ne pense rien. Vous continuez, vous ne pouvez pas vous arrêter. Ça fait du bien de parler, c'est la barbe de dormir tout le temps. Vers 6 heures, je regarde ma montre. Allez dans votre chambre, moi je veux dormir. Yamina arrive à 9 heures, il faut que je dorme. Vous me regardez. Vous vous levez. Vous claquez la porte avec une force incroyable. Et j'entends ça. J'en ai marre de vivre avec un retraité. Il faut que je change de mec au plus vite. C'est impossible, une vie pareille, aussi nulle. Tout ça disparaît ce jour du jeudi 3 mars 1996.
On vous a enseveli dans ce trou très profond du cimetière du Montparnasse. Je n'ai pas pu faire autrement. Il fallait se débarrasser du corps mort. On ne pouvait pas le garder rue Saint-Benoît, nulle part. Que faire de votre corps mort? Dès le constat de votre mort, c'est ma préoccupation. Il faut enlever le corps, il faut qu'il disparaisse, que personne ne le voie. Il faut que les pompes funèbres s'en occupent, c'est leur métier, ils savent faire. Moi, c'est fini. Je ne peux plus rien faire pour vous. Je vous laisse partir. Ce mot, nobody, le corps, ce n'est rien. C'est personne. Un corps mort. Je n'ai rien.